question n'est absolument pas un conseil en finance. C'est un partage entre UTF ainsi que tous les auditeurs. Je vous invite à lire le disclaimer avant de regarder l'émission et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette market close. Allez, jingle, c'est parti. Bienvenue à tous donc pour ce market close. Donc, on va commencer par notre premier plan du jour. C'était l'AUD. Donc, on avait dès ce matin en fait, il s'est mis en place au-dessus de 75-60. On était bullish. Donc, il n'y avait qu'un sens à traiter. C'était always in long. La rupture au-dessus de ce petit range. On avait une proposition. Bon, ben voilà, on l'a atteint vraiment rapide. Là, on avait notre TP1 ici. On a une petite stratégie, c'est on peut attendre pourquoi pas un bear trap ici pour repartir encore au-dessus du R3. Bon, là, à voir, hein, c'est vraiment de la petite anticipation. Donc, pour le plan AUD, on est OK sur ce niveau-là. Ensuite, on avait le DAX donc en mode breakout, c'est-à-dire à l'attaque des 800. Donc là, le plan, c'était en termes de 1 heure. Puis en fait, il est allé. Voilà, on était sur cette zone, sur l'attaque de ce plus haut. Alors là, vous allez me dire, c'est invalidé, le plan est invalidé. Je dis oui, bon, sur la résistance sur les 800, on n'a pas eu de grosse invalidation. Par contre, sur la zone, moi, on a modifié légèrement le plan dans le sens où c'est passé un cran dessus. Et là, on est toujours shorteur. Fortement shorter en termes de 1 heure sur ce niveau, très court, 40% de taux de réussite. Par contre, si ça dégrade correctement, encore une fois, je le dis, le scénario, ça va être de leg pour aller rechercher le 9400 assez rapidement sur notre indice DAX. Donc là, le plan DAX, on met une croix dessus. Le 800 n'a pas tenu, on est passé un cran au-dessus et on a mis en place un nouveau scénar. Alors ensuite, le GBP USD. Donc il était en mode breakout ce matin, on était dans l'attente. Voilà, on était dans cette zone-là, il s'agissait de trader jusqu'au touch de cette TL en 1 heure. Et puis voilà, on y est dessus, on est en mode breakout, on attend, on a eu pas mal de rejets ici. Voilà, donc bon, la vision était bonne. Sur le GBP USD, voilà, là on est OK dessus. Et enfin, le dernier, c'était l'USD Yen, qui a été très très surprenant aujourd'hui, très vigoureux. Voilà, l'USD Yen, lui, pareil, mode breakout. Par contre, voilà, ben là on a eu un très beau break franc, un suivi, donc il n'y a pas de souci pour une prise de position au-dessus. Le break a été validé, le mode breakout a été validé aussi. Sur le yen, on était dans l'attente d'un break. Voilà, tout s'est très bien passé. Franchement, une leg superbe. Cette photo, je vais l'encadrer parce qu'elle est magnifique. Accélération parabolique, plus encore un double bottom décalé, une spike. On casse trois niveaux à l'affilée. C'est magnifique. Franchement, sur le yen, il n'y a rien à dire. Voilà pour cette market.